Conformément aux orientations du souverain, lors du discours royal du 30 juillet 2014 prononcé à l'occasion de la fête du trône, le Conseil économique, social et environnemental, en collaboration avec Mankul Mrlib, a publié son rapport sur la richesse globale du pays. C'est au mois de novembre 2017 que le rapport a été enfin dévoilé. Celui-ci mesure la valeur et l'évolution de la richesse du royaume entre 1999 et fin 2013 et la part du capital immatériel dans celle-ci. La valeur de la richesse globale du Maroc a plus que doublé durant cette période. L'étude formule par ailleurs des recommandations pour intégrer le capital immatériel dans l'élaboration des politiques publiques. L'objectif étant d'accélérer la dynamique de création de richesses et d'en assurer une répartition équitable au profit de l'ensemble des citoyens et des régions du royaume. L'équipe Ecoactu.ema a rencontré Abdlamou Tari, membre du CSE, pour l'interviewer sur le capital immatériel. Comme un préalable au nouveau modèle de développement économique. Bonjour, monsieur Moutaki. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'équipe Ecoactu.ema. Monsieur Moutaki, vous êtes secrétaire général de l'OMIN. Vous êtes également membre du Conseil social environnemental. D'ailleurs, le Conseil avec la Banque centrale a publié il y a plus d'un an une étude sur le capital immatériel, une étude qui a été commanditée par Sa Majesté. Donc ma première question, comment le capital immatériel peut être un levier de développement économique si on prend en considération que c'est une notion euh, abstraite et difficile à quantifier Merci beaucoup Madame pour votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, que cette question de capital immatériel a été utilisée par la, par la Banque mondiale dans son étude sur, le, sur la richesse globale des nations. Et donc c'est de là qu'est venue l'étude qui a été demandée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, au, au Conseil économique, social et environnemental et la Banque, la banque du Maroc, avec la participation d'autres institutions nationales et, et internationales. Okay. Le PIB, comme il est, tel qu'il est utilisé aujourd'hui, ne mesure pas l'impact sur l'environnement des, des modèles économiques. Ne, ne, ne permet pas d'évaluer également le bien-être des populations, alors que c'est une question centrale aujourd'hui, d'où la nécessité d'aller chercher d'autres indicateurs euh, qui peuvent mesurer donc ce bien-être. Et c'est de là qu'est venue donc cette question de, de richesse globale des nations et le rôle que peut jouer le capital immatériel. Alors la richesse globale d'un pays est constituée par quatre types de, de capitaux. D'abord, il y a le capital, le capital produit. C'est l'ensemble des, des infrastructures, des machines, de le, de, du foncier urbain et également de, des équipements des entreprises. Le deuxième capital, c'est le capital naturel. Ce sont les ressources naturelles, qu'elles soient minières, euh, pétrolières ou énergétiques en, en, en général. Mais il y a également les, les aires protégées, le foncier agricole et puis les terres pastorales. Le quatrième type de capital, ce sont les... Euh, ce sont les, les avoirs nets à, à l'extérieur. Et le quatrième type de, de, de capital, c'est ce votre question, c'est le capital immatériel qui est constitué par le capital humain, le capital institutionnel et le, et le capital culturel. Alors comment on, fait la, comment on mesure C'est une méthode indirecte qui est basée sur, sur la notion de stock ou de résidu. Ça veut dire qu'on considère la consommation actuelle projetée sur 25 ans. Et donc, ce qui est tangible, les, les trois premiers types de capitaux, ils sont tangibles, ils sont mesurables, donc on peut les quantifier. Et le reste, c'est le, le capital, c'est le capital immatériel. Alors, le, le résultat de l'étude, je vais le résumer en deux ou trois points. D'abord, la richesse globale du Maroc a été multipliée par deux au cours de cette période. Donc, elle est passée de 6 000 milliards de dirhams. Euh, en, 80, en 1999 à, à 12 000 milliards à peu près, j'arrondis les chiffres, en, en, 2000, euh, en 2013. Et le capital immatériel constitue pratiquement en moyenne 72 de, de cette richesse globale. C'est un chiffre qui rappelle la, 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 la composition, l'architecture en termes de répartition du capital immatériel dans la richesse globale d'un certain nombre de pays développés ou, ou émergents. Donc ça, c'est un premier, euh, premier constat. Deuxième constat, on a abouti à ce résultat parce que quand même, il y a eu des, des réalisations qui ont été faites, comme la réduction du taux de, de pauvreté. Le revenu euh, individuel également a été, a été augmenté et donc les, euh, le développement des infrastructures, et donc tout cela a fait que nous avons un, une, une, une richesse globale qui est a, qui a doublée. Mais cependant, euh, il y a des points sur lesquels il faudra s'arrêter, parce que quand on, quand, on, quand on travaille sur des indicateurs de durabilité, le, le plus important étant ne pas d'analyser de, 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 le chiffre à un instant T, mais d'observer son évolution euh, sur une trajectoire. Et je vais vous donner un exemple. Euh, il y a l'indicateur qui mesure la durabilité d'un modèle économique, c'est l'épargne nette ajustée, euh, qui peut se définir de manière euh, simple de la manière suivante, c'est-à-dire c'est l'épargne globale de l'État, euh, augmenter de l'investissement dans l'éducation, mais diminuer par l'impact négatif euh, sur le sur l'environnement. Alors quand on a une épargne nette ajustée positive, ça veut dire que le modèle est durable. Quand on a une épargne nette négative, donc le modèle n'est pas n'est pas durable. Alors pour le Maroc, il est en moyenne de, de 17 donc euh, ça veut dire que nous avons un modèle qui est qui est durable. Mais quand on le, quand on, quand on le, le mesure à partir de, de 1999 à 2013, il est passé de, de 24% à autour de, de 14%. Ça veut dire que euh, c'est une, euh, une épargne nette ajustée qui est en train de diminuer et donc trajectoire baissière. Ça veut dire que nous sommes dans un modèle qui est certes aujourd'hui durable, mais il n'est pas soutenable s'il n'y a pas des mesures prises pour remédier à cette situation. Il y a, il y a trois, euh, trois points sur lesquels l'action peut être faite. La première, c'est la, la problématique de l'eau parce qu'il y, y a une, une, une surexploitation des eaux euh, souterraines. Donc les nappes phréatiques au Maroc sont surexploitées dans un contexte de, de changement climatique. Il y a pratiquement un milliard de mètres cubes d'eau qui est, qui est exploitée. Donc ça, c'est... Et, et, et la situation du Maroc vis-à-vis -vis de cette ressource appelle à plus de vigilance et de responsabilisation de l'ensemble des acteurs, parce qu'on est passé d'une situation de 2600... Et, mètres cubes disponibles par habitant par an en 1960, on est passé pratiquement à 750 mètres cubes par habitant par an en, 2000, en 2010. Et aujourd'hui les projections sont alarmantes parce qu'on estime ces disponibilités à 500, 530 à peu près mètres cubes par, par habitant d'ici 2030. Donc c'est une situation euh, sur laquelle il faudra, il faudra agir de manière euh, avec la plus grande fermeté. Bien entendu, nous saluons les, la politique du Maroc en termes de gestion hydrique avec l'ensemble des programmes de barrages, l'ensemble des, 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 des stations de dessalement, de déminéralisation de l'eau. Ce sont des, vraiment des, des cas de réussite, mais euh, en parallèle, il y a cette surexploitation des nappes et cette gestion jusqu'à présent qui a été faite de l'offre, de de alors que l'action devrait se concentrer da, davantage sur la problématique de la, de, la, de la demande. Donc, deuxième point qui impacte cette, cette, cette euh, épargne nette ajustée et qui, qui est sur une trajectoire baissière. C'est la question de la biodiversité. Nous avons aujourd'hui un impact sur 1200. Au cours de la décennie, début de la décennie actuelle, 1250 espèces étaient inscrites dans la, lutte, la, la liste rouge. De la euh, en termes de, de conservation de l'Union de internationale de la conservation de la biodiversité donc ça aussi c'est un point sur lequel il y a il y a des actions de, de qu'il qui, qui faudra qu'il faudra mener et le troisième point c'est l'impact euh, c'est la pression sur les sur les sols et sur les, les terres pastorales parce que nous avons un déficit de biocapacité euh, ça veut dire que nos écosystèmes euh, de terres pastorales et agricoles n'arrivent pas à, à recréer, à reproduire la, 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 ce, qui, ce qui a été exploité par, euh, par les différents acteurs. Donc c'est vraiment... C'est un, un, un modèle qui est, qui est, qui est durable, mais, mais qui n'est pas soutenable. Et est-ce que nos responsables aujourd'hui sont conscients de l'importance du capital immatériel Et justement, dans le cadre de nos politiques publiques, comment concilier entre le capital matériel et le capital immatériel pour aboutir à un modèle de développement qui garantit la répartition égale des richesses Alors Pour répondre à cette question, il, faut, il faudrait revenir à la définition du, du capital immatériel et surtout du capital humain. Parce que euh, la définition du capital humain, aujourd'hui, il est constaté sur la place que il y a peut-être une, une, un amalgame. Entre la notion de capital humain et la notion de ressources humaines, le capital humain tel qu'il est défini, ce sont les, cap ce sont les, 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 les capacités, les capacités d'un individu, les capacités donc incorporées par, le, par la formation, par l'éducation, et qui sont mises au service du développement économique. Ça veut dire qu'un individu doit être bien formé. Il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit également en bonne santé pour pouvoir contribuer à la croissance et au développement économique de son, de son territoire et de son, et de son pays. Donc, partant de cette, de cette définition, on met l'éducation et la formation au cœur du, du, du développement du développement économique. Ça veut dire que les, les, le premier capital sur lequel le, le Maroc, et ça on l'a bien identifié au niveau du, du rapport du Conseil économique, social et environnemental, le premier levier est celui d'avoir un, un capital humain euh, fort bien et donc des, une population bien formée pour pouvoir parce que c'est ce capital humain qui va pouvoir créer euh, de, la, de la richesse, donc agir sur le capital euh, naturel, agir également sur le capital produit et avoir un impact sur le capital, les, les, les avoirs nets à l'étranger, parce que c'est vrai, vraiment le cœur, de, le, le, le moteur du développement. C'est l'homme, euh, et donc c'est sa, sa capacité à produire de la, riche, de la richesse dans des bonnes conditions de, 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 de santé. Donc euh, le, premier, le, le premier levier euh, constitue vraiment la mise à la, à, la, à, la, à, notre, à la disposition du pays, un capital humain euh, très, très, euh, très compétitif et cela ne bon, parce que là aussi la, la question il, il faut toujours euh, dans cette dans cette notion de d'analyse du, du capital il faut toujours la voir en termes d'interaction de, de, avec les autres. un capital humain donc immatériel avec des, des, avec un capital humain fort avec un capital institutionnel également très 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 fort ça veut dire des institutions efficaces, des politiques publiques convergences. Avec une administration productive, je pense que y a, y a donc tous, ces, tous, tous ces, ces capitaux vont concourir à la création de richesses, et puis après par une bonne gouvernance territorialisée, garantir les, les, le partage équitable de, la, de, la, de, de, de ces richesses en investissant dans la, dans la santé, dans les, dans les services publics et dans l'accès donc à, la, à une bonne éducation pour diminuer ces, ces, ces inégalités territoriales et ces inégalités sociales qui constituent aujourd'hui les parmi les, les les deux trois grands défis que le Maroc doit doit faire face il y a la question des inégalités l'indice de Gini il a il a, il a qui mesure les, les inégalités il a un peu il s'est un peu amélioré mais bon c'est une amélioration très très pas, pas substantiel, il est passé de 0,4 à 0,38. Donc il y a des efforts de, 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 pour gérer cette, cette problématique liée aux, aux inégalités, même si la pauvreté a diminué, mais elle reste rurale. Et donc les écarts entre le, les, les inégalités entre le monde rural et le monde urbain persistent et les causes de la pauvreté, les causes de la pauvreté et des inégalités persistent également. La problématique de la mobilité sociale se pose aussi en termes de, en termes de défis. Et donc, le, le, le capital humain au cœur de ce, de, de, du modèle pour pouvoir vraiment garantir, à l'aide d'une gouvernance adaptée et rigoureuse, ce partage équitable des richesses. Et justement, cette inégalité en matière de répartition des richesses est à la base de la réflexion menée aujourd'hui sur l'élaboration d'un nouveau modèle de développement économique. D'aucuns considèrent que le, le modèle actuel euh, a échoué euh, compréhensiblement sur notre parti euh, par rapport à cette problématique. Oui, le, moi je dirais que le modèle actuel a, a atteint ses limites. Ça veut dire que dans la modélisation, de, la modélisation économique, les pays ont besoin d'une première phase de, de sécurité alimentaire, de sécurité hydrique de mise à disposition d'infrastructures, de, de développement de la connectivité. Je pense que le Maroc a, a mis en place euh, pour cette première phase l'ensemble euh, de, ces, de, ces, euh, de ces infrastructures. Maintenant, euh, il atteint ses limites parce qu'il euh, y, y, y a toujours ces défis de pauvreté, ces défis d'inégalité territoriale, d'inégalité sociale. Et donc, euh, un nouveau modèle s'impose pour continuer à créer de la richesse, à créer de la, de, de la valeur et puis en garantir une répartition équitable entre les différentes régions et entre les populations. Euh, et euh, le, le, le CESE, dans le cadre de cette étude, et c'est ce qui fait. Vraiment, la particularité de cette étude, ce n'était pas uniquement une comptabilisation de la, de la richesse globale, mais c'est essayer donc de répondre à votre question, comment créer de la richesse et comment, euh, comment donc essayer de garantir une, une, une en garantir une répartition équitable. Et donc là, il y a, cette, euh, il y a quelques leviers que nous avons, sur lesquels nous avons insisté. Il y a d'abord le premier levier, c'est le levier du capital humain, donc euh, on, en, on en a parlé. Le deuxième levier, c'est de bâtir un pacte social rénové. Et là, c'est vraiment c'est de réduire ces inégalités, réduire le taux de pauvreté, et puis aller vers une cohésion sociale, parce que la cohésion sociale est à la base de la, de la stabilité et de la paix et de la paix sociale. Il y a le, un levier qui concerne la diversification économique. Donc ça aussi, un, euh, il y a tous ces programmes publics. Qui, qui permettent donc de diversifier le au-delà de la du rôle central de, de l'agriculture et la valorisation des produits euh, agricoles et des produits de la mer également donc l'encouragement de la des volets de la transformation respectant les, les normes de la durabilité et les normes et les normes sanitaires il y a aussi le un levier qui concerne le le, le capital institutionnel donc on est toujours dans le capital immatériel euh, c'est-à-dire avoir des institutions qui sont fortes, effectivité des lois, l'effectivité des droits euh, humains au sens large, qu'ils soient économiques, sociaux ou, ou culturels. Et puis également, ça permettra d'instaurer un, un climat de confiance qui est nécessaire à l'investissement. Euh, un, dernier, un, dernier, euh, euh, un dernier levier, c'est de, de, de vrai à ce que le Maroc soit un pôle de, un, un, un pôle de, de rayonnement à l'échelle régionale et à l'échelle internationale. Merci beaucoup, M. Moustafi, pour la clarté et la pertinence de vos réponses. Je rappelle M. Moustafi, euh, secrétaire général de l'ONU, l'Office national marocain des hydrocarbures, et membre du Conseil économique, social et environnemental. Merci beaucoup, Madame.